Les amis, je viens de rentrer dans ma voiture, je viens de finir la partie. Comment dirais-je? Elle est dingue, elle est folle. Je vous fais pas de thriller, de teaser en introduction pour vous garder le suspense. Il va y avoir de très bons coups, enfin de bons coups, mais aussi des mauvais. Et pourtant, le score est là, quoi. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira, les amis. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à lâcher un petit like, un petit pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne. Voilà, c'est gratuit et c'est la chose qui m'aide le plus, en tout cas qui aide la plupart des youtubeurs, que ce soit golf ou autre chose. Et j'espère du fond du cœur qu'elle va vous plaire cette vidéo parce que je blablate. Il n'y a pas grand chose qui va pourtant dans cette vidéo et le scoring est. Bon, bref, bonne vidéo à tous. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, comme d'hab, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous allons jouer 9 trous sur le golf de Plumeur, le golf sur lequel je suis licencié. Je pense que vous commencez à le connaître depuis le temps que je le vlog, ce parcours, en tout cas à travers mes vidéos. J'espère avoir l'occasion de vous y croiser un jour, pourquoi pas, et d'échanger même une partie ensemble. N'hésitez surtout pas à me contacter sur Instagram quand vous êtes dans le coin. À la base, je voulais faire un objectif négatif pour les plus anciens qui me suivent. Vous savez en quoi consiste cet objectif négatif. Je ne sais pas si un jour j'ai eu le niveau de faire cet objectif négatif. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment, je ne l'ai pas. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On ne va pas faire un objectif négatif. On va jouer 9 trous ensemble parce que je souhaitais vous parler un petit peu, échanger avec vous sur 2-3 sujets. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va se retrouver très vite au départ du 1. Et puis, bonne vidéo à tous. Allez, on va commencer tranquillou avec le trou numéro 1. C'est un tout petit par 4, c'est l'handicap 16. Il fait un tout petit peu plus de 300 mètres, à légèrement dogleg gauche. Pour le coup, le green est plutôt bien défendu avec un rough épais à gauche et bunker à droite. Il faut savoir que le fairway est plat sur les 200 premiers mètres. Et après, ça descend jusqu'au green. Donc, il y a deux solutions. La première, c'est de jouer safe, entre guillemets, pour se laisser un shot de, allez, entre 100 et 130 mètres, et en tout cas avoir les pieds à plat. Ou alors essayer de gratter un maximum de distance. Par contre, avoir un lie descendant en attaque de green. Voilà. Moi, je vais choisir l'option pied à plat. J'ai pris un fer 6, il y a du vent contre, donc l'idée, ça va être de faire 170 mètres. Et puis, c'est le trou numéro 1, on n'est pas échauffé. Et en plus de ça, dans la poche, j'ai des nouveaux tees. C'est une société qui me les a envoyés, je vais vous les montrer direct d'ailleurs. Tac, il y en a plein. Ils sont roses, c'est ma couleur préférée. En fait, c'est l'entreprise Supa qui m'a envoyé ces tees. Ça s'appelle les Vanotti. Il me semble qu'ils sont imprimés en 3D. En fait, comme vous pouvez le voir, ils sont archi flexibles, incassables, tout simplement. Excusez-moi, j'étais en train de parler avec un jardinier qui me disait qu'apparemment il est un peu abîmé le parcours à cause des sangliers. Bref, donc comme vous pouvez le voir, il y a différentes tailles. Il semble. Enfin, en tout cas, la promesse de la société, c'est qu'ils sont incassables. Donc, on va le tester aujourd'hui. On va voir ça de suite. Il y a toutes les tailles en plus. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, j'imagine, ça paraît très simple, hein, mais c'est comme les tiges qu'on peut retrouver. C'est pour pas que ça bouge. On plante un ici et en tout cas, la hauteur désirée là. Ok, ça bouge pas du tout. Ça, c'est pas mal. De toute façon, si vous voulez plus de renseignements, il y aura l'Instagram qui sera en description ainsi que le site internet. Bref, je vous souhaite une bonne partie et en avant Guingamp. Désolé, il y a des personnes qui passent derrière, j'attends un peu. Bon, c'est pas le contact du siècle, mais elle est en plein milieu du fairway. Ouais, elle est très bien là-bas. Bon, dans un premier temps, les potes, je pense que vous avez vu, mais récemment, je fais un petit peu moins de vidéos, en tout cas le rythme de une vidéo par semaine que j'ai tenu quand même pas mal de temps, n'est plus trop là, je publie beaucoup moins. Alors je tenais juste à vous expliquer le pourquoi du comment, c'est juste que j'ai beaucoup moins l'occasion de jouer au golf d'une part. Voilà, je pense que c'est pour beaucoup de monde la même chose entre la vie de famille et le travail. Voilà, et profiter aussi de ses amis, et ainsi de suite. Bref, tu trouves peu de temps à jouer au golf.
Et en fait, il y avait même un moment où, à chaque fois que j'allais au golf, bah, j'avais la caméra derrière moi pour essayer de faire une vidéo. Et au final, bah, je peux pas dire que j'ai trouvé plus de plaisir à faire des vidéos ou à jouer au golf, loin de là. Mais j'étais moins dans le plaisir, plus dans, je peux pas dire l'obligation, personne m'y oblige, mais voilà. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Et du coup, c'est pour ça que j'ai un peu diminué le rythme, tu vois, c'est un peu, je peux pas dire que je fais une lefty qui, voilà, lui a galéré, enfin, voilà, avait changé de plateforme et est revenu sur YouTube, mais en tout cas, fait moins de vidéos aussi. Je veux juste que, bah voilà, en fait, garder du plaisir à jouer au golf, donc des fois maintenant, ça m'arrive d'aller jouer au golf sans la caméra, et bah, garder du plaisir à faire ces vidéos, ce genre de vidéos. Là, ce soir, j'avais envie d'en faire une, parler un petit peu avec vous, donc bah, je me suis dit, tu prends la caméra et tu filmes. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a un petit peu moins de vidéos, je tenais quand même à m'expliquer à ce sujet. En attendant, on est très très bien. Milieu fairway, alors la plaque descend et 20 mètres devant nous, on aura un coup de 130 mètres à peu près au drapeau, j'imagine, je vais prendre la mesure. On a 127 mètres, on a une descente. Donc encore une fois, je vous le dis, le slope est activé, ça fait un coup de 120 mètres apparemment, sauf qu'il y a avant-contre, donc au final, c'est un coup de 130 mètres. J'imagine en tout cas que c'est 130 mètres. Bon, ça tombe bien, c'est un pitch, hein. Chez moi, c'est quasiment le plein coup de pitch. Et on va essayer de la prendre dans la plaque et pas première strie comme on a fait en mise en jeu. Allez, un tout petit peu à droite. Ah, faut qu'elle vole, elle va être dans le bac. Oh là, non, pas du tout. Elle est pré-green derrière. Et ouais, donc moins de vidéos parce que je voulais garder plaisir à faire des vidéos, garder plaisir à des fois jouer au golf et des fois faire les deux en même temps. Tu vois, je vais, voilà, je vais pas parler de lefty, mais je peux comprendre en tout cas voilà, la période qu'il a vécue où il est parti sur Instagram pour un autre format. Peut-être que, je sais pas, c'est le montage qui lui a prenait trop de temps, peut-être qu'il a eu, enfin je sais pas, et ça ne me regarde pas, c'est ses choix de toute manière. Mais tu vois, il y avait le Scratch Club, je ne sais pas si vous suivez cette chaîne, en tout cas, je vous invite à le suivre, c'est un très bon joueur de golf, un pro. En fait, il est devenu pro parce qu'il était énormément passionné de golf et voilà, c'était son objectif de percer à la base sur YouTube Golf. Et bah, du coup, il est devenu pro enseignant, c'est un très bon golfeur, il fait des super vidéos de qualité, je trouve. Et en fait, il avait interviewé Ma des Golf Hitters, de la chaîne Les Golf Hitters, je pense que tout le monde la connaît ici. Et Ma avait dit dans cette interview que, bah, le montage, en fait, ça lui prenait une heure à une heure et demie quand il faisait ses vlogs. Bah, pour le coup, respect, mec. Respect, parce que pourtant, mon montage, je le connais très bien, parce que dans une autre vie, j'ai eu une chaîne YouTube Gaming, j'avais 17 000 abonnés, il me semble. Call of Duty, les vrais connaissent. Et en fait, ça me prenait bah, déjà pas mal de temps à monter ce genre de vidéo. Le logiciel que j'utilisais, c'est toujours le même que j'utilise pour mes montages vlogs. Et maintenant, quand je fais un montage vlog, entre les traceurs et le montage en lui-même, bah, ça me prend quand même réellement, je pense, 6 à 8 heures, tu vois, de montage à peu près, des fois plus, ça dépend. Bon, après, j'ai pas un PC ultra performant, mais je sais que ça prend du temps, donc voilà, Mac qui met une heure, franchement, respect. Alors, je doute pas de ses propos, hein, loin de là, mais voilà, moi en tout cas, je sais que ça me prend du temps, et pour beaucoup de gens, ça prend du temps. Donc voilà, je voulais faire une petite parenthèse là-dessus, ça aurait pris tout le trou numéro 1. On est pré-green. On est ok en termes de lie, j'ai l'impression. J'ai envie de la chipper, j'ai pas envie de la putter. Je vous explique de suite pourquoi. C'est un peu sableux ici, il y a un petit trou là. Voilà. Il y a quelques mois, il y a eu des dégâts de sanglier ici et c'est pas encore tout à fait revenu. Je me permets de laver la balle, vous le voyez, elle est sale. Et elle est d'ailleurs abîmée, elle est percée d'un côté, donc on changera de balle après. Bref, on va se la jouer au 58 degrés. Petit chip, légèrement droite-gauche, tout en descente. Je vous cache pas que prendre le par, ce sera bien. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, ça rentre. Ah non. Ah non. Quand tu vois le point de chute et quand tu vois où elle a fini, ouais, ça descendait. J'ai l'impression que les greens roulent bien parce que là, j'ai un testeur d'un mètre. En ayant fait une bonne virgule, je prenais pas le trou. Je pense que j'avais un testeur de quasiment 3 mètres. Ouf, putain, j'ai mis une patate de gitan là-dedans. Oh, heureusement, parce que je faisais pas sûr que je fasse le bogey derrière. Allez, nous sommes sur le trou numéro 2. C'est l'handicap 6. C'est un petit par 3, du moins petit, tout est relatif. Il fait 173 mètres.
aujourd'hui et en pris la mesure, j'ai vu qu'il y avait au drapeau 169 mètres. Ça monte un peu, c'est un coup de 175 mètres. Le vent est légèrement compté droite-gauche. Je vais mettre pour ma part un fer 6. Alors c'est dommage, je voulais balancer le drone au green pour que vous ayez une vue sympa autre que mes fesses un instant, j'en suis désolé. Et j'ai oublié de charger la télécommande. Voilà. Bon, ça continue en ce moment. J'ai un peu, je peux pas dire de malchance, mais je vais vous expliquer d'ailleurs après ça. Oh là là! Oh la vache! Et comment je mets 70 mètres à droite là? Ok, on est à hauteur. 35 mètres à droite du drapeau, hein, c'est très précis, j'ai pris la mesure. Dans le foin. Ça va pas être l'approche la plus simple, étant donné que pour le coup, le green, je le connais. De ce spot là, en fait, on a le green tout en descente, donc pour arrêter la balle, c'est compliqué, donc faut pas la faire tomber trop loin, mais ni trop courte. Bon, bref, allez, good luck, Raph, on verra après. Oh, c'est pas mal, hein. Oh, c'est pas mal. Ah, oh, c'est bien. Vous allez voir ça de sud, mais ouais, c'est pas mal. Donc on va la voir apparaître là-bas à 70 cm du drapeau. Ouah, peut-être pas 70, mais voilà, à peine un mètre en tout cas, 90 peut-être. Ça ferait un bon pas. Hein. Ok, encore une fois, c'est un petit testeur, un peu comme au trou numéro 1, le petit mètre 10. Oh, et le soleil qui nous tombe dessus, ça fait du bien. Il a pas fait beau ces derniers temps, enfin ça fait 8 mois qu'il fait pas beau en Bretagne, c'est relou. Ah ouais, je suis tout droit, ça me fait peur. J'ai mis vraiment tout droit, mais j'ai l'impression que ça break un peu de droite à gauche, mais bon. Allez, fais-toi confiance, Raph. Elle va tenir la ligne. Ouais, elle bouge pas d'un pet. Bon, nickel. Eh bien, back to back par, pour le coup, c'est réellement deux bons parts. Hein. On n'a toujours pas touché un green. Allez, le premier par 5, le trou numéro 3. Il fait 440 mètres, 438 pour être très précis, c'est l'handicap 13. Pas très compliqué en soi, il n'y a que la mise en jeu qui est un peu tricky. Après, je vous assure que si la mise en jeu est bonne, c'est que du bonheur. La mise en jeu, en fait, tu as de l'eau à gauche et à droite. L'obstacle à gauche est plus en jeu à mon goût que l'obstacle à droite parce que si tu tapes assez fort, tu as carrément moyen de carry l'obstacle de droite que celui de gauche. Faut carry quasiment 300 mètres, donc c'est pas pour moi. On va utiliser ce style là, je pense. Ouais, en hauteur, ça me paraît pas mal. Ouais, c'est bien. Faut juste que je le positionne ici, ce sera encore mieux. Perfect. Alors pourquoi je vais mettre bois 3? Et bah vous allez le savoir dans 2 minutes. Une fois que j'aurai fait ma mise en jeu, en espérant qu'elle soit bonne et que je touche bien la balle. Parce que c'est pas le cas pour le moment. Oh, c'est nul. Oh là là. Stop. Bon, elle est dans le bac. Dommage. Je swing crispé. Je le sens, je suis crispé, je ne sais pas pourquoi. Bon, pourquoi j'ai mis bois 3 en mise en jeu? Alors, commençons par le commencement. La semaine dernière, j'ai été invité pour un petit événement qui s'appelait la Team Golf Cup. C'était organisé par Jonathan Dovillier et Stéphane Macagno. Alors, les chaînes, c'est Jonathan Dove Golf et Magmouton Family Golf. Je pense que vous connaissez les deux. En fait, le principe était super sympa, je vous l'explique très brièvement. L'idée, c'était que la moitié nord de la France affronte la seconde moitié de la France, la moitié sud. Quand je vous dis à moitié nord, c'est un demi-mensonge, étant donné qu'il y avait même des Belges, genre My Golf, Sandro, juste moi qui joue au golf, bref. C'était un peu le principe d'une Ryder Cup, avec le premier jour des stroke play, le second jour des match play. On était sur le golf d'Ormesson. L'idée c'était de passer un super moment et c'est ce qui s'est passé. On a passé un très bon moment entre copains. Alors, on va s'arrêter 2 secondes parce qu'il y a des personnes qui jouent, c'est pour pas les déranger. Et donc moi j'en profitais évidemment pour faire des vidéos comme tout le monde et je souhaitais en fait vous filmer la première journée, la partie stroke play que j'ai d'ailleurs pas trop mal joué. Alors j'ai joué 84, ça fait plus 12. Je sais en score c'est pas très bien, mais le parcours est réellement compliqué pour les personnes qui le connaissent.
pas. Je vous assure qu'il est, il est quand même pas mal compliqué. Il y avait pas mal de bons joueurs en fait dans cette partie stroke play, dont un pro. Et le pro a joué 82, moi j'ai joué 84. Il y a Martin de la chaîne Pitch Partners pardon, qui doit être 1 ou 2 d'index, qui a joué 86. Et après il y avait des scores à 90, 95, voire même 100. Donc certes les niveaux sont différents, mais en tout cas le parcours était réellement compliqué. Et en fait j'étais en train de vlogger ces fameux 18 trous. Tout se passait à peu près bien jusqu'au trou numéro 11. C'est très très précis le trou numéro 11, mais je jouais avec Maxime sur Instagram. C'est un petit jongleur. Si vous le connaissez pas, je vous mets un extrait direct. Ouais, le mec a du level. Et en fait, au trou numéro 11, bon bah voilà, il galère un petit peu. Et puis on cherche sa balle derrière le green. C'est une grande descente derrière le green. Je pose mon chariot, croyant mettre le frein, en laissant d'ailleurs l'appareil photo et le trépied dans le chariot. Et puis j'aide à chercher la balle. Je vous la fais courte. Le sac a dégringolé, mais littéralement dégringolé. Il a descendu tout le bordel, il s'est arrêté contre un tronc d'arbre. Ça a fait un boucan d'enfer. Je me suis dit, tout est cassé là-dedans. Et bah figurez-vous que non, rien n'était cassé. Et ça, c'était vraiment la bonne nouvelle. J'ai regardé surtout l'appareil photo qui était plein de terre. Je me suis dit, ouais, il n'y a pas bon. Je l'ai allumé, il m'affichait un message d'erreur. J'ai réussi quand même à continuer à filmer jusqu'au trou numéro 18. Et en fait, quand j'ai essayé de dérusher les clips que j'avais utilisés, ben, je me suis rendu compte que la carte SD avait pris du plomb dans l'aile, il n'y a pas d'autre mot, parce que les rushs ne s'affichaient pas, tout simplement. Donc, l'appareil photo est parti en SAV quelques jours après, la bonne ambiance. La carte SD, j'ai dû la changer, et malheureusement, je ne peux pas dire que j'ai filmé pour rien, parce que ben, voilà, je voulais en tout cas vous partager cette vidéo, mais malheureusement, ben, je ne pourrais pas la partager, j'ai tout perdu. On arrive à ma balle, je continue ma petite histoire. Après mon coup. Ok, bunker, pas bien compliqué dans l'idée, hein. Mais bon, faut avoir un bon contact et pour le moment c'est pas trop le cas. Je vais mettre un fer 7. Layup sur ce par 5, c'est dommage parce que l'idée c'est de se mettre milieu fairway. Et l'attaque en 2 n'est vraiment pas très compliqué en soi, mais bon, ce sera pas pour aujourd'hui. Oh là là. Elle est sortie, hein, mais on est sur l'autre fairway, quoi. Ouais, je sens que ça va être une soirée compliquée, les copains. Tu me diras, on est toujours à zéro, hein. Mais bon, j'ai l'impression que, vu ces trajectoires aléatoires, ça va pas durer longtemps. Donc voilà, pour le jour 1, mon sac il tombe, mon chariot il tombe, j'abîme mon appareil photo, je perds les rushs, donc tu te dis, bon bah, bonne ambiance, je suis assez d'accord. Mais le matériel n'est pas abîmé. Enfin, ce que j'appelle le matériel, je parle matériel de golf. Jour numéro 2. Jour des match play. Je joue en match play contre Paul de la chaîne Teach. Très bon joueur de golf aussi. On a passé un très très bon moment. Puis bref, je mets, voilà, je fais mes mises en jeu de temps à autre. Je mets driver, tout se passe bien. Et puis, on arrive sur un par 5 relativement long. Je sais plus, c'est sur l'allée, ça doit être le 7 ou le 8. Pour les personnes qui connaissent Ormeçon, vous me direz, ça doit être le 7 ou le 8, ouais. Je mets driver et je vous assure qu'à ma descente, je sens qu'il s'est passé un truc bizarre, tu vois. Et je table la balle, en tout cas je la touche, et ma balle fait 30 mètres, c'est-à-dire qu'en fait je l'ai topée, et elle est allée se foutre dans le châssis, je sais pas, 50 mètres devant le départ des blancs, donc là pour le coup, je suis un peu surpris. Je comprends pas trop, bon c'était peut-être pas le swing du siècle, mais c'était pas le pire swing non plus. Ah oui, ma balle est là-bas, pardon. Et puis bah, en allant à mon sac, je touche mon driver et je sens que la tête bouge. Donc bah, ça tombe bien, j'ai une clé de drive, donc c'est ce que je fais. Je décide de resserrer la clé, enfin la tête, parce qu'en fait elle était desserrée. Bon, je me dis, c'est pas grave, c'est étonnant, mais c'est pas grave. Ouais, c'est un enfer, hein. Il y a tout qui tombe en ce moment. Bon, je ramasse après. On est juste ici. Je continue mon histoire. Une fois que j'ai tapé mon coup de golf, une fois que j'ai ramassé mon chariot. Ok, chariot ramassé. Mesure prise, 98 mètres.
Vent contre, c'est un coup de 105, donc décision prise, 54 degrés, et on va essayer de faire un bon shot. Bon, ça me semble pas mal. Ah, c'est un peu short. Bon, ça pète, c'est le premier green en régule, on va pas se plaindre. Mais je la voyais très très bien et c'est un tout petit peu short. Je vous disais, donc du coup qu'en fait ma tête de club était étonnamment dévissée, on a décidé de la dévisser entièrement avec, avec Paul de Teach, Maxime de Petit Jongleur et Steph, bref, pour regarder ce qui se passait, si c'était cassé ou pas. En tout cas apparemment ça ne l'était pas, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai revissé et j'ai dit aux gars, bah, tu sais quoi les gars, si vous me laissez 15 secondes je retape vite fait une balle juste pour voir si tout va bien, et ils me disent pas de soucis, donc je retape ma balle et bah cette fois-ci je la touche, mais je sens qu'il se passe encore quelque chose et effectivement ma tête s'était redévissée, mais là bien plus, c'est-à-dire que je ne sais pas comment elle a réussi à venir au shaft. Bref, donc je peux pas dire driver cassé parce que j'en ai encore aucune idée. Les drivers fortement abîmés, en tout cas je peux plus le jouer, ça c'est sûr. Et donc effectivement, malheureusement, ouais, le green est sacrément abîmé, en tout cas le pré-green est malheureusement sacrément abîmé. Oh la vache les gars. Les jardiniers doivent en avoir trop marre quoi, puis les sangliers ça casse la tête, ils sont en train de défoncer le parcours. Bon bref, c'est pas le sujet. Allez, on a 8 mètres pour le birdie, mais bon, c'est notre premier green en régule, on va pas se plaindre. Donc pour faire un bref récap de ce qu'il y a dans mon sac, mes fers, que j'adore, hein, c'est pas le sujet, je les ai achetés d'occasion et je vous cache pas que les têtes de club commencent vraiment à vieillir, en tout cas les stries sont, quand je dis abîmées, voilà, la tête de club commence à vieillir, hein, tout simplement, il n'y a pas d'autre mot, il y a de l'usure. Je n'ai plus de driver et mes wedges, alors je les ai... Ça fait combien de temps que je joue au golf? Ça fait 5 ans et je les ai depuis 4 ans, il me semble. Donc autant vous dire qu'ils sont lisses. C'est un budget, tout ça, vous le savez. Et pour le moment, j'ai pas trop le budget à remettre ça là-dedans. Parce que quand tu regardes un driver, alors je parle neuf, hein, et voilà, si tu arrives à avoir une remise sympa, peut-être pas les derniers, mais ceux qui sont sortis il y a 2 ans, tu peux t'en tirer pour 400 ou 500 balles. Les wedges, bah 3 wedges, c'est 150 euros par tête, donc 150 x 3, ça fait 450. Voilà, bois 3, enfin driver plus wedge, ça ferait 1000 euros. Plus la série, tu rajoutes 1000 euros. Ouais, la bonne ambiance, quoi. On va garder le drapeau, on est à 2,5 km du trou. Ouais, ça saute. Et on n'est pas donné, encore un testeur, on va avoir un mètre. J'ai l'impression que depuis tout à l'heure, on se laisse, peu importe où on est, on se laisse toujours 1m10, 1m20, là c'est encore le cas. Est-ce que ça ferait 3 sur 3 en testeur? Ce serait bien, hein. Heureusement que le putting est en place en ce moment, et le wedging aussi d'ailleurs, parce que sinon on ne serait pas bien. Du moins ce que j'appelle wedging, c'est chipping. Ouais, bon bah on est bien sur les pattes d'1m20. Allez, on est sur un petit par 4, en l'occurrence l'handicap 18. Il fait certes 309 mètres, il est pas bien long, encore en plus, il est tout en descente, léger dogleg gauche. C'est juste que la partie à gauche est tout du long hors limite, faut juste y faire attention, sinon en vrai, faut dire ce qu'il a, il n'y a vraiment pas de difficulté, il y a un boulevard à droite là. Bref, je vais mettre un fer 7 en mise en jeu pour faire 170-180 mètres. Avec la descente, ça peut même pousser à 200-210. On se laissera un coup de wedge. Encore une fois, il faut bien la toucher. Mon coup de wedge était bien touché au trou précédent. C'est bien le seul depuis le début de la partie. Allez, j'annonce autant de road, c'est quoi. Oh, haute toute droite, dommage. Il y a baby draw, quoi. Bon, il n'y a pas de casse, on est fairway, peut-être petit ref, mais on aura 110 mètres à peu près pour le drapeau. Bon bref, normalement j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire, je suis en train de réfléchir, mais oui, que j'ai cassé mon driver, que je devais vous partager une vidéo que je ne pourrais pas, et que bah voilà, je file un peu moins en ce moment, il y a voilà, moins de récurrence sur YouTube, tout simplement parce que bah, je joue moins au golf, voilà, et j'essaye plus de prendre du plaisir à jouer au golf et qu'à jouer au golf, et prendre du plaisir aussi à faire des vidéos et que faire des vidéos. Bref, c'est en bref, vraiment le fait de jouer au golf sans se filmer, et des fois
va avoir l'objectif de se filmer. Je vous assure, c'est bénéfique pour tout le monde, que ce soit pour moi, mais même pour vous, que ce soit voilà, pas redondant, que toujours la même chose, tu vois. Enfin bon, bref. Bon, maintenant on va pouvoir se concentrer, parce que depuis tout à l'heure on n'est pas concentré, on fait que départ, donc maintenant on va se concentrer, on va faire des bogeys et des doubles. C'est sûr, 98 mètres, vent avec. C'est quoi, c'est même pas un plein coup de 58 degrés, je pense, vraiment. On est tout juste pas fairway, on est rough. J'ai les pieds sur le fairway, ma balle est dans le rough. Par contre, je suis lié incroyable, on pourrait croire que je l'ai posé, je vous assure que non. Bon bref, allez, 58 degrés. 3 quarts, un bout de green, un putt, ça fait birdie, et après j'appelle l'accueil. Si je fais birdie, j'appelle l'accueil pour demander le record du parcours. Et on se fout de ma gueule, mais... Bon, alors là, c'est encore nul à chier. Ah, super, on... Oh là là, bon, on a... Bref. On putte, hein, mais on a, je sais pas, 73 mètres de putt à peu près. À la louche. Hein. Et n'empêche, quand il pense, le golf, c'est un sport de dingue. Hein, parce que, tu sais quoi, je vais même enlever le drapeau. Il y a des fois, honnêtement, je peux pas dire, il peut rien nous arriver, mais les contacts sont sublimes. Ah, tu peux être bien, enfin. Voilà, tu. Bon, certes, t'arrives à bien scorer, mais. Ou des fois pas d'ailleurs, mais en tout cas, tu te sens bien dans ton golf. Il y a d'autres jours comme aujourd'hui, où le score, pourtant, ça va, mais il n'y a rien qui va, quoi. Parce que là, bon, on a un putt pour birdie, hein. Faut y voir le positif. Et bon, si vous ne me voyez pas, c'est normal. Parce que entre l'appareil photo et moi, c'est pas tout à fait la même heure. Il doit y avoir au moins un fuseau horaire, si ce n'est deux. Bon, j'ai mis 3 mètres à droite à peu près du trou. Là, ça va être plus le dosage qu'autre chose, honnêtement. Ah, oh, c'est pas si pire. Eh, encore 1m20. Incroyable. Bon, là, c'est pas le même 1m20 que on a eu au trou précédent, dans le sens où, bon, certes, c'est un putt en montée, mais c'est un putt bien droite-gauche, là. Genre, j'ai mis une cup à droite, et ça me paraît presque limite, tu vois. Quoique, non, c'est bien. Faut se faire confiance. Ah, c'est nimpe, hein. Qu'on se le dise, c'est nimpe cette partie pour le moment. J'y pense que maintenant, mais à la limite, ce que je ferai, si ça vous intéresse, toujours en description, au fur et à mesure que mes différents amis youtubeurs slash instagrammeurs slash golfeurs slash influenceurs sortent leurs vidéos, en tout cas sur YouTube, je vous mettrai les liens en description, comme ça, si vous voulez voir en quoi consistait la Team Golf Cup et surtout qui a gagné, est-ce la Team Nord ou est-ce la Team Sud, et ben, vous pourrez les visionner à partir de la description. Et d'ailleurs, je vous invite vraiment à le faire, parce que on a passé réellement un super moment, et j'imagine que les vidéos qui vont sortir vont refléter en fait cette bonne ambiance, tout simplement. Allez, on est sur le trou numéro 5, un par 3, c'est l'handicap 7 affiché à 153 mètres. Beaucoup d'eau à passer là pour le coup, c'est-à-dire qu'il me semble qu'il y a 120 mètres d'eau à passer à peu près, en tout cas pour être au sac de l'autre côté. Aujourd'hui, le drapeau est à 154 mètres, comme quoi effectivement les gens ne nous mentent pas. Le vent est tout simplement latéral, il n'est pas avec, il n'est pas contre. Ah ouais, il est pile poil latéral. Ah, ça tombe bien, je pense que c'est mon plein coup de fer 8. Donc fer 8, on va essayer de quand même bien la toucher, ce serait bien à partir du trou numéro 5 d'avoir un bon contact. Ah, j'ai pris un tee, non, un peu là, excusez-moi, j'ai pris un tee en bois, je veux continuer à utiliser les tees Vanotti, en tout cas les tees de Supa, parce que je vais vraiment voir sur le long terme, est-ce qu'ils sont cassables ou pas. Pour le moment, il n'y a rien à dire, ça pète pas. Après, pour le moment, j'ai pas fait énorme de compression balle. Mais c'est vrai que j'ai tendance, enfin vous le savez, les tirs en bois, ils cassent quand même relativement vite. Allez, à 154 mètres, faire 8. Ce serait bien de allez, la mettre dans la plaque, tu vois. La sensation de la mettre dans la plaque, c'est un bonheur. Aujourd'hui, je ne l'ai pas encore ressenti. Oh, toujours pas, hein, c'est incroyable. Oh là là. Bord de green à droite, à hauteur, mais... Oh, c'est nul, un peu dans la pointe, quoi. Ouais, c'est pas délié, je suis un peu crispé. J'en mets une deuxième,
Alors c'est juste pour le plaisir, hein, c'est du bonus. Évidemment, on le sait, celle-ci va finir dans le, sur le green, pardon, et elle va être dans la plaque. Ouais, elle est compressée au moins. Un peu à gauche, mais ouais, les cœurs de green, celle-ci. Mais c'est déjà mieux en termes de compression quand tu... Quand tu voilà, tu... Ouais, vous m'avez compris. Ok, bon, on est, comme vous pouvez le voir, bord de green, encore une fois. La balle qui est sur le green, c'est la deuxième. Malheureusement, il n'y a pas de second service au golf. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va évidemment faire un chip. Là, pour le coup, pas très simple. Là, il est très pauvre où nous sommes. C'est comme ça, du moins. Quand je dis très pauvre, tu vois, c'est pas de chance, mais on est dans un trou. On va la jouer comme ça, même si certes, au 1, je l'ai replacée tout à l'heure parce qu'elle était sale. On va essayer quand même de respecter les règles. Et en plus, on a de ça, on a un chip tout en descente. Ah, c'est fort. Ah non. Ok, il s'est donné. Enfin, c'est donné. Mais on va la putter, on a 90 cm. Ouais. MDA. Je parle pas fort, il y a du monde qui peut être à côté. Nous arrivons sur le sixième trou. Un par 4 de 364 mètres, handicap 2. Pour le coup, l'handicap 2, c'est pas mentir, parce que des blancs, il y a, il me semble, 170 mètres d'eau à passer. Déjà, il y a de l'eau tout du long à gauche et des châchis à droite. Donc la plupart du temps, quand tu mets châchis à droite, je peux te dire que bah, tu poses provisoire et tu peux presque annoncer définitive, réellement. Et l'attaque de green, eh ben, t'as encore de l'eau à passer. Voilà, topo est fait. Ouais, attends, non. En fait, ce qu'on va faire, c'est pour vous montrer la confiance du type, c'est que la Pro V1, on la met de côté. On a une tour spéciale ici, c'est très très bien. Ouais, je vous cache pas que changer de balle sur ce trou-là, je le fais assez régulièrement, même en compétition. Je suis tellement pas serein sur la mise en jeu, c'est un peu... voilà, je sais pas comment dirais-je, mon némésis, ma chimère, bref, vous m'avez compris, le trou que j'aime pas, quoi, que pas beaucoup de monde aime d'ailleurs. Allez, hybride, pas besoin de le forcer, c'est juste en piste et on verra après ce qu'on fait. Oh, c'est pas si mal touché, c'est dommage que ce soit un peu à droite, elle bloque avec le vent. Bon, elle a bloqué instantanément dans le rush. Il va nous rester 2,2 km, mais je suis en piste. Et c'est plus la mise en jeu qui me fait peur sur ce trou-là que le reste. Allez, c'est pas si mal. Bon, effectivement, c'est un peu gras. On est layé comment? Attends. On est pas bien layé. Si vous voyez pas très bien la balle, c'est normal. C'est parce qu'on n'est pas très bien layé. Et en plus de ça, elle est un peu sale, mais nous sommes dans le rough. Donc là, pour le coup, on la touche pas. Il y a 178 mètres. Oh la vache! Ah ouais, d'accord. Est-ce que j'ai le courage de... Oh la vache, j'ai quand même pas mal la balle au-dessus des pieds. Pas très bien layé. C'est une connerie que je vais faire là, non? Parce que là, j'en vais faire 6 dans les mains, hein, pour rien vous cacher. Donc ça veut dire que je veux aller au green, en tout cas au drapeau. Mais il y a de l'eau à passer. Si elle sort pas du club, faut quand même qu'elle fasse 130 mètres. Ouais, je vais le tenter, hein, c'est... Voilà. Oh ouais, mais je suis dans un trou aussi. Oh là là, putain, il n'y a rien qui... Ouais, je le tente. Je le sens, je le tente. Il n'y a quand même pas grand-chose qui va, là. Oh, elle est sortie incroyable. Go. Ah, elle est sortie folle. On est sur le green, hein. On est même au fond du green, je vais vous montrer ça, je vais essayer de vous zoomer parce que je pense que vous n'avez pas vu le chat. Hop, on va se décaler, voilà. Où est le green? Tout là-bas. Et si je zoome, est-ce que vous arrivez à voir la balle? Hop. Ouais, on la distingue tout au fond du green là-bas. Bon, c'est pas mal. Bon, c'est quand même une partie de débile là, franchement, parce que j'ai planté aucun mât. J'ai touché deux greens en régule. Les deux, j'avais respectivement 8 mètres de putt
Et l'autre, je dirais 20-22 mètres. Là, on va se taper, c'est notre troisième green en régule. On va se taper, je pense, 12 à 13 mètres de putt. On est toujours dans le par. Ah, j'ai fait des parties où j'avais plus de green en régule et j'étais déjà à plus 4. Hein. Ah, c'est une partie débile, vraiment. Je sais pas comment je vais l'appeler cette vidéo. Est-ce que je l'appelle c'est une partie débile? Est-ce que je l'appelle comment bien scorer au golf sans toucher une balle en étant mauvais? Je sais pas, tu vois. Bon, c'est pas compliqué, hein. Comment bien scorer au golf sans toucher une balle? À part du principe que t'as aucune chance et vas-y fonce quoi. C'est un peu ce qui s'est passé sur ce trou là. Et je suis réellement parti du principe que j'avais aucune chance étant donné qu'on est toujours sur la tour spéciale là. Évidemment j'ai pas rechangé sur la Pro V1 et d'ailleurs je le ferai au prochain trou. Bon bref, putt en descente, légèrement droite gauche au départ puis gauche droite à la fin. Bon, deux putts encore, hein. On va pas, voilà, on va pas aller chercher un putt du moins. Ce serait exagéré là quand même. Elle a un peu sauté. Ouais, les greens sont un peu abîmés en ce moment. Alors c'est vraiment dommage parce que je vous assure que le parcours de manière générale est... Alors l'environnement est évidemment superbe, hein, c'est pas le sujet. De manière générale, les greens sont vraiment excellents, mais ouais, je pense que ça touche la... pas mal de golf. Tu sais, il n'y a plus le droit aux produits, je sais pas comment ça s'appelle, je ne suis pas jardinier, mais je crois que ça s'appelle les produits phytosanitaires. On est passé sur un nouveau traitement, en tout cas qui est bio, qui est écolo. Et malheureusement, il y a quelques champignons. Je sais qu'il y a beaucoup de golfs qui sont touchés par ça. Mais je pense que ça va vite rentrer dans l'ordre. Voilà, c'était la petite parenthèse. Bref, on a encore fait part. C'est scandaleux, vraiment. Ok, trou numéro 7, par 4, 294 mètres, handicap 12. Bon, là, pour le coup, c'est tout droit. C'est juste que la mise en jeu, en fait, est sur un fairway qui monte énormément et l'attaque de green, ce sera sur un fairway qui redescend. On aura le green sous nos pieds, tout simplement. À gauche, c'est châchis. À droite, c'est châchis. Il faut mettre une mise en jeu, je peux pas dire parfaite, mais c'est quand même le principe du golf, hein. En tout cas, une mise en jeu tout droit. Pas obligé d'être long, mais voilà, plus on est long, plus on voit le green, hein, tout simplement. Si on est un peu court, si on fait un shot de 150 mètres, on n'aura pas de visu sur le green. Et donc, du coup, ça rend le coup un peu plus tricky. Bon, je vais mettre le bois 3. Hein. J'allais dire prendre ma chance, même pas. Oh, j'ai toujours la tour spéciale. Hey, tu sais quoi, on garde la tour spéciale, on y croit. Ah ouais, bois 3 sur la mire qu'on a en face, ce serait pas mal. Ah mais c'est un délire quoi, vraiment. Mec, je touchais la mire, c'était la même quoi. Bon, ouais, je veux pas la mettre dans cette trajectoire et elle est basse dans la face, hein. Qu'on se le dise, elle est pas dans la plaque. Mais d'habitude, je la mets dans la plaque et je la fous dans le châssis de droite, tu vois. Donc bon. Ouf, et bah ça monte. Bon, on est milieu fairway, ça c'est une très bonne nouvelle. On n'est pas très très loin du drapeau, c'en est une très bonne aussi. On est à 88 mètres du drapeau, alors je vais me permettre de replacer parce que on est sur une zone sèche du fairway. Malheureusement, on va pas bouger, hein. On va juste se mettre sur de l'herbe, tu vois, comme as. On s'est avancé, on s'est rapproché du trou par contre de 15 cm à peu près. Ça c'est pas bien. Mais je vous ai dit, on se détend là, ça faisait une semaine que j'avais pas joué. Je voulais vraiment tourner cette vidéo, en tout cas être avec vous ce soir. 88 mètres, vent contre, ça descend. Ouais, je pense qu'il faut jouer à la distance réellement, j'ai un 58 dans les mains. Voilà, un bout de green, c'est tout. Deux putts, c'est tout. Puis voilà. Ah, tu sais quoi, allez, je plante le mât. Cette fois-ci, je le plante. Allez. Tout petit peu à gauche, ma belle, s'il te plaît. Ah, dommage. Bon, c'est à hauteur. Ah, mais c'est 5 mètres à droite. Presque une vraie opportunité de birdie. La première de la partie. Ah, tu sais quoi, on va même compter la distance qu'on a là, parce que c'est la première fois depuis que je tourne cette vidéo que nous sommes aussi proches du drapeau pour birdie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est à 6 mètres du trou pour le birdie. Et tu vas voir, c'est tellement scandaleux que c'est celle-ci qui va rentrer. On connaît l'histoire. Hein. Tu sais quoi, on se le fait en direct. Tac, léger droite gauche, léger putt descendant. Alors, le problème c'est que je suis capable d'en mettre trop, je suis capable d'en mettre pas assez en termes de descente.
Ça se jouait à pas grand chose si elle rentre pas, je le pense réellement. C'est-à-dire que là, je suis aligné beaucoup trop à droite. Hop, là, je suis aligné 30 cm à droite. Le but, c'est pas de se poser 36 000 questions. C'est de regarder derrière si ça paraît cohérent ou pas. Et honnêtement, ça paraît cohérent. Et puis, bah, on fait le birdie parce que bah, le dosage, on l'a. Il y a juste à bien la stroquer, c'est tout. J'ai cru, hein. Je me suis dit, mais c'est nimp. J'y ai vraiment cru. Bon, bah, on part, on est à 7 sur 7. Bon, on aurait dû avoir malheureusement du soleil et des rush drones pour ce vlog. Mais bon, j'ai merdé avec la télécommande et bah, ça s'est couvert en fait quand je suis arrivé, malheureusement. Bref, on est sur l'avant-dernier trou, le trou numéro 8. C'est l'handicap 3, un par 4 de 372 mètres, légèrement en dogleg gauche. Encore une fois, pareil, un départ un peu à l'aveugle. Il y a une mire qui est en plein milieu du fairway. C'est pas tout à fait l'axe de jeu, du moins. Si elle est là, c'est que c'est quand même l'axe de jeu, tu vois, mais c'est pas tout à fait la réalité. Parce que, allez, bah, évidemment. Évidemment, si tu mets un coup de 160, 170 mètres, oui, si c'est l'axe de jeu, c'est réellement l'axe de jeu, tu joues la mire. Si tu veux chercher à te rapprocher du green, le fairway étant donné qu'il fait légèrement droite-gauche, attends, je vais regarder, j'ai l'impression que la caméra a bougé. Non, parfait. Je disais, le fairway, comme il fait légèrement droite-gauche, en fait, il va falloir mettre un draw, allez, 1 mètre, peut-être 2 mètres à gauche de la mire, et ce serait très bien, quoi. Pour ce faire, j'ai pris l'hybride. Allez, mon AF. C'est un trait. C'est presque un petit fade. Je pense qu'elle sera très bien. Elle peut glisser à gauche, finir dans le rough. Mais c'est quoi? C'est pas si pire. Elle peut rester fairway même. Parce qu'en fait, tu vois, c'est... Encore une fois, le contact est très moyen. Hein. Elle est un peu basse dans la face, un peu dans le talon, tu vois. Mais je pense que le résultat, je l'espère en tout cas, sera, je peux pas dire très bon, mais en tout cas sera bon, je le pense réellement. Parce que tu vois, quand je mets ce petit baby draw habituellement dans la plaque, voilà, un tout petit peu à gauche de la mire, j'arrive même à finir dans le rough de droite des fois, tu vois. Donc là, elle est sortie un peu plus à gauche. Si elle n'a pas kick à gauche, et qu'elle n'est pas restée dans le rough, je pense qu'elle peut être très très bien. On verra. Je le rappelle quand même, c'est totalement indécent ce qui se passe, hein, toujours. Faut le rappeler, c'est important. Il y a un moment, faut pas avoir le boulard. C'est que de la chatte qui m'arrive ce soir. Parce que bon, les contacts sont pas du tout réguliers. Ah, qu'est-ce que j'ai dit? C'est vrai, quand je te parle de réussite, on est milieu fairway, bon, partie gauche fairway. Honnêtement, j'avais peur que voilà, elle ait juste glissé dans ce rough-là pour finir dans le bac. Mais ouais, quand je la tape bien, tu vois, c'est le petit draw fini là, juste dans le rough ici. Bon, là, on est partie gauche du fairway, c'est très très bien. J'ai pas l'habitude d'être sur ce fairway-là, habituellement, je suis dans le rough. Donc, on est très content. Ah, je vais vous mettre de trois quarts, les amis. Je vais vous poser ici juste pour que vous puissiez voir le drapeau, parce qu'on va être un tout petit peu caché avec les arbres. 143 encore. Wow, me paraît beaucoup, étonnant. Attends, je vais reprendre parce que 143, hein, y a pas de débat. Hein. Bon, ok. 143 mètres, ça descend un peu. Le slope indiqué 139. Voilà, vous savez tout. Je vais gripper court, un fer neuf, parce qu'en fait il y a de l'eau devant. Le pitch, bon, bien contacté, j'y vais, mais ça me fait peur. Voilà. Alors que le fer neuf, il n'y a pas de débat, je peux avoir un contact un peu moyen. Ça peut y aller quand même, tu vois. Bon, faut pas avoir non plus un contact catastrophe. Ce soir, on n'est pas à l'abri, mais allez. Elle est pas mal, non? On a 2 mètres pour le birdie. Le contact est moyen, encore une fois. Hein. Je la mets légèrement dans la pointe, mais c'est nimp. Et en plus de ça, on n'a même pas 2 mètres. On a
Allez, 1m50, même pas 1m50, je pense, pour le birdie. Ah, ce serait dingue. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'on est dans le top de mes parties cette saison. Bon, ça m'est déjà arrivé, évidemment, tu vois, en partie avec les copains, de jouer des moins 1, moins 2. Mais la plupart du temps, quand même, c'est plus entre, sur 18 trous, j'entends, entre plus 1 et plus 7, 8, 9, 10, ça dépend. Non, vraiment, ouais, c'est ça. Dans mes bonnes parties, je joue 18 trous entre, ouais, ce soit plus 1 et plus 5. Et souvent, en prenant le bouillon à l'aller, je peux pas dire le bouillon, mais tu vois, souvent plus 2, plus 3 et le retour à moins 2, moins 3. Bon, là, on fait quand même un bon aller. Malheureusement, j'aurais pas le temps de faire le retour. Je l'aurais bien filmé là pour le coup. Parce que bon, ça aurait pu faire en fait un objectif négatif avec un score de ouf, mais bon, avec des si, on serait sur la PGA. Bon, je le connais par cœur ce putt, j'ai pas d'excuses. 1m50, c'est 2 caps à droite. T'as l'impression qu'il est plat ce putt, c'est faux. Ouais, c'est totalement faux, il break, tu le sais, Raph. Oh, je les poule. Oh, je m'énerve à faire des trucs comme ça, quoi. D'une part, je la putte pas en termes de vitesse, et d'autre part, je la putte mal. J'ai la ligne, je me fais pas confiance. Oh. Bon, j'arrive pas à la rentrer, écoute, tant pis. Nous sommes sur le dernier trou de cette vidéo, le trou numéro 9. Et c'est un par 5 qui fait 430 mètres, donc pareil, pas bien long. Il n'y a pas de difficulté en soi, hormis à gauche, c'est le practice, c'est un hors limite. Je le connais très bien ce practice, malheureusement. À droite, c'est des châchis. Faut pas être évidemment trop à droite, mais honnêtement, tu vaut mieux s'appuyer plus à droite qu'à gauche. Alors, ça m'est arrivé en compétition une fois d'ailleurs, une seule et unique fois, d'arriver sur ce trou là, au trou numéro 9, en étant moins 2. Je vous le cache pas, j'ai mis un fer 6 en mise en jeu. J'étais très bien, tu vois, j'avais passé l'eau, enfin bref, j'avais fait 170, 175 mètres. Bon, tu le prends pas en deux, mais en soi, tu t'en fous, tu vois, sur ce trou-là. Être en piste, je vous assure que c'est bien. J'arrive pas à trouver la hauteur de tee que je veux, excusez-moi. On va prendre un tee plus haut, là, il y a pas mal d'herbe. Impeccable. Et aujourd'hui, j'ai envie de pousser la chance, hein. Y a juste pas d'autre mot, là, parce que... mon intelligence et mon humilité voudraient que je mette pareil un fer 6 pour te dire, tu vois, t'es en piste, derrière tu lay up, tu mets un coup de wedge, tu peux te laisser une opportunité de birdie. J'ai envie de mettre bois 3 parce que, oui, c'est tout doux, mais je me dis que si je suis sur le fairway, on peut peut-être aller le chercher en 2 et on peut peut-être aller chercher un petit birdie, pourquoi pas jouer négatif, ce serait vraiment chouette. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué négatif, les potes, je vous assure. Je sais pas si vous arrivez à voir la mouette qui est partie droite du fairway. Elle est très bien, elle. Mon objectif, c'est pas de la toucher évidemment, mais de se mettre autour d'elle, tu vois. Allez. Bouge, petite mouette, bouge! Je sais pas si ça va se voir parce que je filme pas en 4K mais en 1080p, mais elle a décollé au moment où elle a vu la balle arriver. Bon, celle-ci pour le coup elle est dans la plaque. C'est la première que je mets dans la plaque au bois aujourd'hui et elle est très très bien. On va peut-être pouvoir l'attaquer en deux, du moins c'est même pas peut-être, c'est on va l'attaquer en deux, mais c'est pas sûr qu'on soit sur le green évidemment derrière. On verra bien. Bref, je suis content de cette mise en jeu. Bon, j'ai mis, j'allais dire un missile. En tout cas, pour moi, j'ai mis un super gros bois 3, honnêtement. Parce que les 135 sont 30 mètres devant moi, à peu près. Et j'aimerais bien, en fait, voir où est le drapeau. Je me permets d'avancer, parce que là, on n'est pas bien loin, quand même. Et comme ça, je vais prendre des mesures. Ok, le drapeau, en fait, va être dans le trou, entre les sapins. Je pense que vous voyez le trou. Le tout petit trou qui sépare deux sapins. Putain, il y a de la route encore, des fonds de green ou pas? 150 mètres et... Ah vache, j'ai à 183 mètres. Oh. Ah ouais, bah ok, bon. 183 mètres en montée, c'est un coup de... 190.
Est-ce que je vais faire 5 ou faire 4? Je vais mettre faire 5. Vaut mieux être court que long. Parce que si on est long, on a un chip ou un putt tout en descente. Et si on est court, bon, on a un chip ou un putt tout en montée. Donc c'est carrément plus simple, je trouve. Et bah, c'est pas si mal, tour spécial en fait. Pourquoi je m'embête à jouer des TP5 et des Pro V1? Allez. Le trou des pins à gauche, là, c'est le drapeau. En petit draw, faire 5 serait bien. Je la fais partir sur la mire, tu vois, qui est face à nous. Et elle finit dans le trou. Oh, le petit push! Elle est bien touchée, c'est dommage. Il y a un bunker là-bas. Soit je suis dans le bac, soit je suis green, soit je suis pré-green à droite. On verra. Bon, à première vue, pas de balle sur le green. Ce qui est un peu dommage. Et pas de balle autour du green non plus en fait. Ah, est-ce que le point blanc que je vois là-bas dans les dégâts sangliers, est-ce que ça pourrait être ma balle? Ah non, ce n'est pas ma balle. Et ma balle. Ah! Ah bah si, on a un putt pour Eagle. Hey, petit putt pour Eagle, messieurs dames. Bon bah nous y sommes, hein. Pas de débat, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mètres pour Eagle. 2 putts pour jouer négatif. Allez, Raph. Bon, à première vue, on est clairement pas loin d'être sur un putt tout droit. Je m'explique. On a une première partie en descente, puis on va dire le troisième tiers du putt en montée. Et c'est surtout que la descente va faire un gros gauche-droite, du moins un gros, en tout cas, l'effet de la descente va accentuer ce gauche-droite. Et la montée, c'est un léger droite-gauche. J'ai mis un trou à gauche. Un trou à gauche, ouais, tout simplement, ça me paraît être ça. Ah, j'ai mis trop de vitesse, doucement. Oh, j'ai mis trop de vitesse, donc il n'a pas pris son break sur la descente et on se laisse 1m20 pour le birdie. Enfin, je te dis 1m20, ouais, c'est ça. Un tout petit peu moins d'1m20, mais on n'est pas loin de la vérité. Bon, allez, je les ai tous rentrés ce soir, ces putts d'1m20, donc on va espérer faire pareil sur ce putt de retour. Ah, j'ai mis une patate, ouais, j'ai mis une patate. Ah la vache, les amis, je suis super content, il n'y a pas d'autre mot. J'ai joué moins 1, ça fait longtemps les potes. Je vous assure que ça fait très très longtemps que j'ai pas joué moins 1. Bon certes, c'est que sur 9 trous, mais en tout cas sur 7 allées. Ouais, ça fait très longtemps. J'ai joué cette saison en compétition, je suis arrivé ici 2 fois dans le par, mais jamais dans le négatif. Et en partie amicale, je crois que je suis arrivé cette saison une seule fois dans le négatif ici. Et j'avais joué d'ailleurs, je crois que j'avais joué 0. J'avais joué plus 1 le retour et moins 1 l'aller. J'ai joué moins 1 aujourd'hui, je suis super content. Écoutez les amis, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue parce que j'ai quand même beaucoup blablaté. J'ai étonnamment pas très bien joué au golf en termes de contact. Par contre, le résultat est juste fou. Les amis, je vous remercie du fond du cœur de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez apprécié la vidéo, si vous souhaitez m'encourager, n'hésitez pas à vous abonner. Je ne vous cache pas que c'est le plus important pour le référencement YouTube. Et surtout, lâchez un gros pouce bleu et un petit commentaire pour me dire ce que vous souhaitez d'ailleurs. En tout cas, pour faire un bref résumé de ma partie, moi j'en suis super satisfait. Je vous fais des bisous, je vous dis à très très vite tout le monde. Ciao.